Et bonjour mes fidèles abonnés. Hein, voilà, vous êtes chez Julien Siège. Alors je suis toujours en confinement, toujours sur mon siège, et je dois vous dire en tout cas que je suis content que vous êtes désormais plus de 2400 abonnés. Et on se dirige tout doucement vers cette barre symbolique des 2500 abonnés en une semaine. Plus de 40 abonnés, rendez-vous compte, pas loin de 5 abonnés par jour, soit un abonné toutes les 4 heures. Alors bien entendu, ce n'est qu'un chiffre. Hein, c'est comme l'argent que vous me rapportez, ce n'est qu'un chiffre, ce n'est pas ça qui importe, mais bon, je le prends quand même, ça peut toujours servir. Un autre chiffre, le 3. Non, pas le 3, le 3 est annulé. Non, 3, 3 comme les 3 plats qui sont au menu du jour. Allez, on débouche une bouteille et on se rend au comptoir. Je vous invite. Et oui, comme je le disais, le 3 est annulé. Et oui, c'est triste. Alors les organisateurs devaient organiser un événement online à la place. Mais finalement, avant même d'officialiser qu'ils allaient le faire, eh bien ils ont annulé également cet événement online. Du coup, on est en attente d'un autre événement qu'ils vont peut-être annoncer prochainement. Et là, je vous sens impatient de savoir. Mais je dois également vous avouer qu'ils vont annuler cet événement qu'ils n'ont pas encore programmé. Voilà, un événement qui n'a pas encore été programmé, déjà annulé. Voilà, je sais, vous êtes déçus car je vous ai laissé 5 secondes d'espoir, mais bon, j'ai préféré ne pas vous en laisser du tout. Mais en parlant d'espoir, parlons de cette manette, la DualSense, vous l'avez vue? Non? Vous ne l'avez pas vue? Eh bien moi, je l'ai vue avant vous, et j'y ai vu des trucs que vous n'avez pas vu. Et non, puisque vous ne l'avez pas vu, mais moi non plus, je ne les ai pas vus. Enfin, je ne l'ai pas encore vu parce que je ne l'ai pas encore eu entre les mains, mais pour être plus clair, avez-vous remarqué ces boutons? Regardez l'image. Avez-vous remarqué la croix directionnelle? C'est révolutionnaire. Le haut pour aller vers le haut. Le bas pour aller vers le bas. La droite pour aller vers la droite. Oui, bon, ça vous avez compris. Alors, rien que le titre, en fait, nous donne un indice sur ces innovations. Sense, et oui, comme l'essence. Enfin, pas le diesel. Mais l'essence. Les 5 sens de l'homme ordinaire. Hein? Alors, le toucher, elle aura sûrement des sensations de toucher spécifiques. Hein? Alors, des fois ce sera dur, des fois ce sera mou, enfin ce sera différent, suivant le cas. Hein? Voilà. Alors, des fois, il y aura peut-être des vibrations, des fois il n'y en aura pas, enfin bon, bref, comme d'habitude quoi. La vue, vous avez remarqué, cette petite lumière bleue, hein? Celle qui était devant, maintenant elle se retrouve devant, enfin celle qui était derrière, elle se retrouve devant. Hein, voilà, donc la vue sera forcément gênée par cette lumière bleue, bleue ou pas bleue, peut-être qu'elle peut changer de couleur, on ne sait pas, ils nous ont mis peut-être du bleu, mais en fait peut-être que ce sera du vert, peut-être que ce sera du rose, on ne sait pas, je ne fais que qu'imaginer des choses, hein, voilà, je ne sais pas, mais je préfère les dire quand même. Bon, Louis, oui, mais pas Louis XIV, Louis, elle a un micro, elle pourra vous entendre, attention à ce que vous dites. Elle aura un micro et un haut-parleur, donc elle pourra parler la manette. Peut-être qu'il y aura un assistant, même. Plus besoin de téléphoner, il se chargera de tout. Vous pourrez jouer et commander votre pizza, pas de problème, 3 fromages, un chorizo, tout ça, pas de problème. Hein, peut-être. Alors, un peu comme un OK Gogol, on pourra lui demander des conseils. Alors, peut-être qu'on pourra lui dire, ah, j'ai le cul qui gratte, il vous répondra, ben gratte-toi le cul. Enfin, c'est ça le progrès, c'est ça, c'est l'innovation. Enfin, je ne l'ai pas encore eu entre les mains cette manette, mais autant, c'est juste une DualShock avec un design de Xbox, on verra bien. Le goût, mais non, elle n'est pas de mauvais goût, non, c'est pas ce que je voulais dire. Le goût, peut-être qu'elle aura un goût particulier, on ne sait pas, vous l'avez goûté, mais est-ce que vous avez déjà goûté la DualShock 4? Non, ben, moi non plus, elle a sûrement un goût de plastique, mais celle-ci aura peut-être un goût différent, parce qu'elle n'utilisera pas les mêmes matériaux, justement, L'odeur! Vous voyez le truc ou pas? L'odorama, bien sûr! J'imagine déjà les parties de Resident Evil, avec ces zombies en décomposition avancée, les parents qui vont être contents! Ah oui! Ah ça va être le plus grand désespoir des parents! Alors, dernier désespoir en date, donc Microsoft, qui annonce clairement qu'il ne participera plus à l'E3. Non, pour une durée non précisée, mais espérons que ça ne dure pas, parce que je vous laisse imaginer le désastre. Enfin, je l'imagine à votre place, parce que vous n'avez sûrement pas assez d'imagination, mais imaginez quand même. Les Xbox fans, qui
qui doivent annuler les billets d'avion qu'ils n'ont pas encore réservés. Hein ? Pour 2021, on sait pas. Autant ils ont réservé, autant ils n'ont pas réservé, on sait pas. Sony qui prend un stand deux fois plus grand. Nintendo qui porte plainte au géant du festival et qui finalement s'allie avec Microsoft pour exclure Sony de l'E3. L'E3 qui ne s'appellerait alors plus que l'E2. Et oui, puisque Microsoft en moins, ils se sont dit, s'ils ne revenaient pas sur leur décision, ils préféraient l'appeler l'E2 pour que ne cohabitent que Sony et Nintendo, mais qui se font la gueule depuis leur divorce et l'abandon du projet de CD-ROM de la Super NES. Et que si finalement Sony était expulsé, ils n'appelleraient leur festival plus que le 1. Mais trouvant ça ridicule, ils se sont sentis obligés de garder tout de même le nom de le 2 pour ce festival. Le 2, l'E2 en anglais. Ce serait donc le premier E2, ou la première E2, on ne sait pas, c'est comme la Game Boy, le Game Boy, on ne sait pas. Le E2, la E2, hein. Eric Desmusclés, qui porte plainte par rapport à l'utilisation de l'expression la E2. Bébert, des forbans, qui s'indigne parce qu'on ne parle plus que des musclés et plus du tout des forbans. Les producteurs de bananes, Kanak, qui massacrent tous ceux qui ne portent plus de bananes à la Bébert, et l'avocat d'Eric Desmusclés, qui ramène sa fraise, qui tombe dans les pommes, après cette prime pêche en pleine poire de Bébert la banane. Je vous laisse imaginer là-haut la tête que doit faire Framboisier. Voyez donc les amis, les répercussions irréversibles que pourrait avoir la non-venue de Microsoft à l'E3 qui est annulée, enfin bref. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres nouvelles pleines de poires d'espoir et surtout très utiles. Bye bye.